Bon, et maintenant, rejoignons-nous, OK, pour le premier match que j'ai joué hier soir. À 19h26, ben 19h22, on pourrait dire, à peu près, plus ou moins, pour 3 vies, 4 minutes. Et ça a fini dans les temps. Ben, ça a fini avant le temps. Et c'est un match avec Item, puis jauge de finale smash aussi. Et je termine avec 2 vies, je pense. Pour bien amorcer ma soirée d'hier. Au 21 décembre. Février, pardon. Je sais pas c'était quoi son idée là. Il aurait pas dû se mettre là. Aïe! Oh boy, si, il se fait tuer par les poulets, si, ça c'est trop drôle. Aïe aïe aïe, ça c'est pas sa journée, hein, ça, à ce sphérote là. Aïe, il se fait tuer par des poulets. Mais il voulait trop les éviter, ça. Faut pas les éviter trop des hors limites, d'un coup que ça te frappe. Ça, que tu pas une mauvaise frappe, ben. C'est bonjour la visite. En tout cas, ouch. Ah, c'est pas d'endormir. Attention, mais c'est pas lui qui va se faire exposer à la face, checker bien ça. Oh mon dieu. La chance là. Attention, moi je t'avais d'avoir droit à mon smash final. Et voilà, c'est fini. Regardez ça, même, regardez ça, tout un effet, waouh! Avec les fantômes qui arrivent, tac, 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 en même temps, ça y est, ça fait comme un petit jeu de ping-pong, ping-ping-pong, 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 KO. En tout cas, ça amorçait bien la soirée. Est-ce qu'il y a eu une autre mort subite? Eh bien, la réponse est oui, il y a eu une mort subite à 3, une mort subite à 3. Mais genre, c'était bizarre parce que j'avais l'impression que le joueur voulait utiliser du side B tout le temps pour essayer de m'atteindre, mais ça marchait pas, il s'acharnait trop sur ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu essayer de l'attaquer, puis il me fait une esquive au bon temps. Fait que là, le mieux que j'ai pu faire, savez-vous c'est quoi? C'est d'essayer de prédire où il va atterrir lors de l'un de ses side B. Puis à la fin, ok, je décide de sauter à peu près à une position X. Puis je l'atteins avec un down air. Mais avant, j'avais atteint avec le up. Le down smash un peu plus tôt. Mais il a survécu. Il a survécu. Eh ben, coudonc. Je pense qu'il a réussi à faire un tech où il a réussi à faire le combo. L'un des combos. Fait que genre, c'était chiant. Là, il a fallu que je recommence. Puis j'ai finalement, je suis vraiment parvenu à remporter ma septième, septième mort subite, mais en fait, non, j'ai remporté, c'est ma, à remporter ma huitième mort subite. Excusez-moi, c'est ça que j'ai dit. Non, excusez-moi, non, c'était ma dixième mort subite, je l'ai remporté. Mais genre, c'est, au total, ça compte pour 9. Attends, je veux juste aller voir quelque chose avant. Il me semble que j'en ai 9 parce qu'il y en a un qui a pas compté vu qu'il y avait un ordinateur.
Ben, il y avait quelqu'un qui avait quitté le match. Vous vous souvenez avec le joueur de Carapuce? Ben, le joueur qui jouait. Un joueur qui joue entraîneur Pokémon. C'est ça, j'ai passé à 9 morts subites. J'en ai remporté 8. C'est bon pour le 5e rang. Quand même, c'est une très bonne statistique. Ça y est, c'est 88,8% de taux de réussite. C'est très très bon. Il y a seulement le 5e match que j'ai pas remporté contre Manny, c'est tout. Le joueur qui spam des attaques spéciales, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il spam, mais il spam. Puis j'ai un joueur de Falco qui a voulu spammer, mais j'ai réussi à l'anticiper. Puis de belle façon. En tout cas, avec Pichu pour les morts subites, Seigneur, c'est surprenant à quel point j'ai du succès à écrire 8 en 9. Là, c'est très très bon. Puis si ça avait compté, la mort subite qui a pas compté, je parle de. Duquel, là? T'as mis où? Ah, de celui-ci, ben ça fait 9 en 10, donc 90% de victoire pour 10 morts subites, c'est énorme ça là. Bon, allons voir cette mort subite. Et c'est petit guidou. Bon, moi j'espère qu'un jour je vais être récompensé avec Pichu puis je vais parvenir à mon entourage VIP, mais j'espère de tout cœur avoir des matchs en équipe rendus là. Pas des smash à 3 là, des smash à 3 c'est difficile à remporter. Très difficile. Et surtout si je suis la première cible de mes adversaires, c'est sûr et certain que ça passera pas. Il faut que j'évite d'être trop frappé à la fois. Par exemple, si c'est arrivé au début du match, par exemple, puis que si je vais essayer de rebondir, il faut que j'essaie de faire de gros rattrapage, mais qu'il faut que j'essaie de finaliser, mais en même temps, d'être prudent, mais aussi il faut que j'avance. En même temps, d'essayer de trouver les failles du joueur adverse. Ce n'est pas toujours évident non plus. Fait que la synchronisation avec le personnage est très important. Et aussi avoir des. Et que le facteur chance soit de mon côté, mais vraiment que j'ai des chances extrêmes avec des coups critiques. Extrêmes, je veux dire. Ben oui. Des chances extrêmes. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il peut les tuer facilement, Pichu. Oh, yes, sir. Là, j'ai bien fait ça. Il a tenté de faire une saisie. Je me suis retourné, paf. Après ma roulade. J'ai fait la boîte avant que lui me saisit. En tout cas, c'est ça. Oh, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour la ligne cartoon. Il y a un moment donné, j'ai réussi à faire deux pour qu'il parfait de suite. Contre le jour de Falco, je pense qu'il a voulu me faire un back air. Puis l'autre, il voulait me faire autre chose, je me suis dit c'était quoi. Je pense que c'est le boomerang. La fléchette qui a failli m'atteindre. Tout ça va se finir en mort subite. À trois joueurs. Oh, regarde, oh, c'était ici, oui. Une piche encore du gunner, s'il vous plaît. Ça peut être efficace, oui, quand, oui, la façon de donc il a pensé à ça. N'empêche que moi, putain, une gun. Ouh! Wow! Ça peut être bon pour donner des dégâts et être facile à exécuter l'adversaire, peut-être même de mettre KO. C'est évident qu'il allait faire ça, c'est pour ça que je me suis tassé. Ah! Il m'a invité. Oh, phew! Aïe, aïe, aïe!
Ah, oh, hey, Seigneur, vous avez vu ça? J'ai fait l'esquive arrière. Hey, Seigneur, Seigneur, ça c'était vraiment un synchroniste parfait. Vous avez vu ça, Seigneur? Hey, j'allais me faire avoir pour la 7B, mais hey, au dernier moment, Seigneur, j'ai vu que j'ai fait une esquive au sol. Puis après ça, ben, je me suis tassé un peu en sautant. Je pense en faisant un double saut. Puis il faisait la 7B à ce moment-là. Puis à la position où il s'est arrêté, ben, j'étais toujours au-dessus. Puis j'ai fait le donner et petit rideau, je l'ai eu. Yeah! En tout cas, ça, c'était toute une mort subite. Pas facile, mais c'était une bonne mort subite. Ah, écrit, mais wall esquive, wow! Après avoir utilisé mon bouclier, après ça, l'esquive, watata, mais avant ça, il y avait genre le down smash. Là. Non, mais pourquoi? Pourquoi, Krim, je l'avais? Je pense qu'il a peut-être eu tech quand même dans le bon temps de frame ou il a fui dans le bon temps de frame, mais dans la bonne direction. Il s'est passé dans la bonne direction. Ouch. Ok, c'était bon. Bon, puis ensuite, juste avant d'arriver au match pour moi qui est crève-cœur, parce que il a fait, ça allait s'en aller vers un match crève-cœur. Mais pour ça, il fallait que je parvienne à trouver une façon d'atteindre le joueur de d'essayer de mettre KO une deuxième fois le joueur d'entraîneur de Wii Fit pour essayer de probablement faire le rattrapage et puis peut-être tuer l'autre joueur après et puis si j'avais pas réussi mon triple saut à ce moment-là, Seigneur, je pense que le match aurait eu une tournée bien différente de qu'est-ce qui s'en venait. En tout cas, Seigneur, je te dis, j'ai vraiment réellement bien joué là. Puis les matchs qui ont suivi, Seigneur, ça l'a reflété. Ce que moi j'espérais depuis longtemps avec Pichu, après au-delà de 400 matchs, je pense. Mais avant ça, allons voir ceci. Là, ici, là, Seigneur, j'arrêtais pas de me faire déranger en plein milieu du match. J'étais là. Je disais, s'il vous plaît, tais-toi. Tais-toi, Kirin, moi là, Seigneur. Déjà là, je suis déjà sénère parce que j'ai encore à 6,2 millions de points esprit. Là, puis moi, j'essaie de me. D'avoir une séquence de victoires, plus de 50 victoires d'appeler, puis essayer de me faire remonter. Là, ça commence à aller bien dans les 1 contre 1. J'étais là, non, s'il vous plaît, me dérangez-moi pas, Seigneur, moi, ça m'écale. Laissez-moi concentrer. Mais au moins, c'est correct, ça s'est bien passé à la fin. En tout cas, j'étais vraiment, ça. C'est nerf, pas mal, ouais. Puis mon cœur. Je te dis, je. Mais mes émotions ont beaucoup embarqué à partir de là. Puis après ce match-là, dans le match, ben, le match en équipe que j'ai remporté là, contre l'entraîneur Joël Fitt et le joueur de Samus, et jouer contre un joueur de ligne, qui a aussi pas mal de difficultés, en tout cas, on pourrait dire. Ben, il s'est fait avoir par un smash météor à un moment donné. En tout cas, c'était vraiment un très beau match qu'on a joué contre ces deux joueurs-là. Mais ici, la recette gagnante a été prédire l'atterrissage après une esquive d'un air. Et tantôt, juste avant qu'on finisse ma première vidéo pour ma séquence vidéo d'aujourd'hui, ben, je vous avais dit, ok, pourquoi les gens essaient à la place de tant voir m'esquiver ou essayer de me contrer en faisant tant de side B avec Wadidou par exemple, ben, comme vous voyez là. Pour aussi me piéger, oui, c'était un bon piège, mais pour moi, ça me dérange pas tant que ça, c'était juste bien joué de sa part, mais c'est juste que c'est à partir de où son intervention. Ben, par ça. Tint, oui. Il a justement utilisé le bénin justement pour faire ricocher son attaque contre lui. Je comprends que Tamalo a déjà dit que vous êtes vulnérable tant que vous êtes dans les airs après qu'on vous a éjecté vers le haut. Mais regardez, moi je m'essaye. Puis moi ça marche. Comment ça se fait que moi ça marche puis les autres ça marche pas? Ben je vous regarde. La recette à pour moi la recette est simple. C'est que tu regardes voir c'est quoi la prochaine action de ton adversaire.
Puis si l'action qui va faire ton adversaire au sol, ok, va déterminer si tu vas ou tu vas pas. Que, si tu as une chance, tu as une opportunité de pouvoir contre-attaquer. Pas comme là. Je m'y attendais pas en tout. Mais ça partit encore d'une attaque spéciale. Mais au moins de manière différente. Tantôt, avec un side B, ça a commencé son premier KO contre moi. Non, voyons voir ici qu'est-ce qui va se passer. Après ça, c'était genre à partir du B9. Bon, je me fais éjecter. Ok, non. On attend. Ouais, il recule encore. Ok. Ah, encore dans la nerf. Ok. Je savais qu'elle allait faire, c'est pour ça que j'ai continué ma course. Attention, regardez ça ici. Oh, l'atterrissage. Oh, j'ai bien prédit ça. Et voilà, ça me donne le cœur de victoire, petit doux. Ah, j'ai été vraiment patient là-dessus. Je me suis dit, il va probablement. Moi, je me suis dit à ce moment-là, ok, c'est sûr et certain qu'il va faire une esquive. Il va faire une esquive. Mais où qu'il va le faire, à quelle position? Je me suis dit, il va probablement aller vers le rebord. Je sais pas, c'était mon instinct qui me disait d'aller là. J'ai glissé à la bonne place. Paf, allez, go, là, je marche. Yes! Mais comme je vous le disais, les gens prennent jamais de chance contre moi. À chaque fois qu'ils font hésiter vers le haut, à chaque fois, c'est tout le temps par une esquive qu'ils font, ou bien ils se protègent par un compte. Invraisemblablement. C'est pour ça que, exemple, quelqu'un joue le Joker, puis qui se fait éjecter vers le haut, puis qu'après ça, il veut te surprendre en voulant charger sa jauge plus rapidement pour faire pogner Arsène, ou bien quand Arsène fait son compte avec. T'as juste à être patient et attendre de bons temps de frame pour enchaîner le smash ou n'importe quel autre smash, tout dépendamment de la position où va votre adversaire, s'il est au-dessus de vous, ou il est juste à côté de vous ou de dos. C'est tous les points à prendre en compte, hein. Moi, c'est bizarre. Moi, c'est tant un feeling. Moi, quand il arrive ce genre de situation-là, moi, j'étais là. J'étais sûr et certain qu'elle allait faire je vais rester au sol. Je suis sûr qu'ils vont faire une esquive. Il va sûrement atterrir quelque part. Puis je vais le pogner. Puis c'est ce qui est arrivé. J'avais senti ça parce qu'il faisait ça assez. Il faisait ça quand même assez souvent, là. C'est soit le side B ou l'esquive. Il volait. Oups, tout d'un coup, il voulait faire une esquive pour éviter une éventuelle attaque arrière, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Puis j'ai bien joué mon jeu là. D'où l'importance de varier ses coups. Parce que quelqu'un qui est capable de bien clé, c'est pas évident de trouver des trous, puis c'est pas évident aussi de même réussir à mettre un stock à un joueur. Et le joueur de robe aussi, il me surprend si bon acte. Ouais, un match de 20 minutes plus tard, ok. Bon, puis comment avez-vous trouvé ces premiers matchs que j'ai joué dans un délai de près de 36 minutes, là. Si on compte comme il faut. 36 minutes entre tes deux enregistrements, entre le premier match et versus celui-là. Bon, ben sur ça, tout le monde, on va se rejoindre, ok, pour une série de matchs hors pair. Quand je dis hors pair, c'est parce que, genre, je te dis, c'était top shape. Top shape, ben, Seigneur, au début, c'était pas numéro 1, mais après ça, c'était numéro 1. Numéro 1, puis qu'est-ce qui en a suivi? Ben, une victoire en équipe. Yay! Et ça va être long à présenter.